toutes et à tous. Désolé, c'est pas bien cadré. Vous êtes un peu bas, mais c'est tout ce que je peux faire. Alors aujourd'hui, petite vidéo. C'est pas un carrefour, ok? Alors oui, je suis en train de conduire, mais c'est pas la vocation de la vidéo. Mais c'est approprié d'être dans ma voiture pour parler de ça, justement. Donc je voulais vous parler des 1 an de permis. De mes 1 an de permis. Ça fait 1 an maintenant que j'ai mon permis. Alors, je voulais vous dire un peu ce que j'en avais retiré de tout ça. Et je pense qu'il y a des conseils qui pourraient vous intéresser. Et que moi, j'aurais bien aimé avoir quand j'ai commencé la conduite. Donc, premièrement, je vous conseille, quand vous venez d'avoir votre permis, de directement commencer la conduite juste après. Pourquoi ? Parce que plus vous allez repousser votre moment de conduite, plus vous allez appréhender la conduite et plus ce sera catastrophique. Pourquoi ? Parce que le truc, c'est que quand vous êtes en apprentissage, quand vous sortez du permis, il faut continuer à apprendre tout ce que vous avez appris en auto-école. C'est encore tout frais en fait, du coup c'est ce qu'il y a de mieux. Moi du coup, malheureusement, heureusement parce que j'ai eu mon permis, mais j'ai dû faire une grosse pause de 3 mois. Je l'ai eu en février, donc le 21 février. Et j'ai dû faire une pause de 3 mois. Donc j'ai eu ma voiture à peu près vers le 18 mai. Donc 3 mois sans conduire. Et au fur et à mesure, en fait, j'appréhendais le moment. Et j'avais raison parce que du coup, ma conduite après ça était catastrophique. Catastrophique. En plus, quand je venais d'acheter ma voiture, j'étais pas toute seule, donc ça a été super stressant. Et donc du coup, j'ai fait n'importe quoi, j'ai calé, je sais pas combien de fois, j'ai pas su. Enfin bref, je savais plus conduire en fait. Donc si vous pouvez commencer directement à conduire direct après en fait. Ensuite, ce que je peux vous dire d'autre, c'est que quand vous allez conduire, vous allez vous rendre compte que c'est différent de l'auto-école. Et ça, je crois qu'on ne mesure pas à quel point ça l'est, parce que si vous voulez, le comportement des gens quand vous êtes dans une voiture d'auto-école est totalement différent. Moi, je sais que quand je conduisais avec la voiture de mon auto-école, toutes les personnes, elles cherchaient pas à comprendre en fait. Elles nous évitaient. Donc c'était simple, on nous évitait. Donc bah tant mieux en fait, c'est-à-dire qu'ils voyaient auto-école, hop, directement les gens vous dépassaient. Maintenant quand c'est A, c'est pire. Alors vous avez plusieurs cas de figure, vous avez la personne qui du coup va juste pas vouloir se casser la tête, va voir que vous êtes un A, donc qui va juste vous dépasser. Puis vous avez le cas d'une personne qui, vous savez, qui va vouloir vous mettre la pression pour vous faire accélérer. Alors vous allez avoir les personnes qui vont vous faire des appels de phare, qui vont vous coller et qui vont même vous klaxonner dessus. Et pire encore, vous pouvez avoir les trois. Moi, j'ai surtout souvent eu, j'ai eu ces 3 ou 4 figures. Mais ce qui arrive le plus souvent, c'est la personne, elle vous colle, elle vous colle, elle vous colle, elle vous colle. Mais vraiment quoi. C'est-à-dire que c'est pour vous mettre la pression, pour que vous accélérez. Et il faut que je vous dise une chose, il faut s'en foutre. Ça, je l'ai compris pas mal de temps après. Mais il faut s'en foutre. Parce que le souci, c'est que vous... Ah oui, franchement, ça peut peut-être vous étonner, mais il y a vraiment des gens... Moi, franchement, je ne mesurais pas que c'était possible. Je ne pensais même pas que c'était possible. Je me suis dit, mais c'est incroyable, ces gens-là. C'est à croire qu'ils n'ont jamais été jeune permis. Parce qu'ils savent en fait que c'est stressant. Donc du coup, quand ils vont vous coller comme ça, ils vont vous dire... Vous allez accélérer parce que vous allez vous dire, non, je ne veux pas qu'il me colle, je ne veux pas qu'il me colle. Donc vous accélérez. Sauf qu'il ne faut pas le faire. Déjà, les limitations de vitesse. Les limitations de vitesse. Vous n'êtes pas limité de la même manière. Donc déjà, si vous faites un excès de vitesse, peut-être que lui, il n'en fera pas un. Je m'explique. Vous savez, par exemple, à 90. Nous, en tant que jeune permis, on est limité à 80. Si vous accélérez, vous allez tellement accélérer, au bout d'un moment, je vous dis, eux, ils sont limités à 90. Et ça va créer une panique, un stress sur vous. Et vous allez peut-être faire des excès de vitesse. Moi, ça m'est déjà arrivé d'en faire peut-être un ou deux parce qu'il y avait quelqu'un qui me collait. Encore, ça va, c'était pas d'énormes excès de vitesse, c'était 1-2 km. Donc à la limite, c'est rien du tout. Mais ça reste quand même des choses qui peuvent être dangereuses parce que vous êtes plus concentré sur ce qui
se passe devant vous, mais plutôt sur ce qui se passe derrière nous. Alors il faut essayer de vraiment pas prêter attention à ce type de comportement. Et moi maintenant ça me fait plus rien. Certes ça m'énerve. Moi dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui fait ça, vous allez vous dire oui, c'est peut-être c'est chiant. Je ralentis, mais vraiment. C'est-à-dire que je ralentis. Je vais peut-être rouler à 45. Parce que le pire, ces gens-là, ils vous collent seulement pour 5 km en moins, quoi. Ce que je fais, c'est que je roule à 40. Plus il me colle, plus il va me coller, en fait, plus je vais ralentir. Et ça, bizarrement, ça peut vous paraître bizarre comme conseil. Vous allez vous dire, ouais, mais non. Franchement, ça marche. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Tu me colles, bah, je ralentis. Et si la personne ne veut pas comprendre... Ça, je vous conseille pas de le faire hein, parce que voilà, faut pas déconner. Mais si la personne elle est têtue, elle continue de le faire, moi je freine, genre d'un coup, pas à fond non plus pour pas causer d'accident, mais je freine d'un coup sec. Enfin, je freine juste comme ça, vous savez, c'est juste frein. Et comme par hasard, les gens, vous allez voir, ils vont arrêter de vous coller. C'est aussi simple que ça, radical. Concernant la conduite catastrophique que vous pouvez avoir ou non, ça dépend. Hein. Il y en a qui, oh, je suis désolée. Il y en a qui vont pas du tout avoir de problème avec leur conduite, tout va aller pour le mieux, enfin bref. Puis il y en a qui vont être stressés, mais tellement stressés que du coup ils vont commencer à faire n'importe quoi en conduite, monter sur des trottoirs, monter sur des terre-pleins, griller des feux, faire des petits excès de vitesse. Et ben je voulais que vous sachiez que c'est pas grave. Comment dire ? Quand on est jeune permis, en fait, c'est pas encore fini. C'est à ce moment-là qu'on doit apprendre à se maîtriser. C'est à ce moment-là qu'on continue d'apprendre, tout simplement, mais tout seul. Donc, quand vous faites ce genre de choses, déjà, il faut s'en rendre compte. Et il faut essayer de corriger, comprendre pourquoi vous avez grillé le feu. Comprendre pourquoi vous êtes monté sur terre. Enfin, tout ça, vous savez, tout ça. Il faut essayer de comprendre le pourquoi est-ce que vous avez eu ce comportement qui puisait peut être dangereux et faire en sorte que ça n'arrive plus. Parce que du coup, vous allez voir que quand... Moi, c'est ce que j'ai fait en fait, surtout pour les feux rouges, parce que j'avais vraiment un problème avec les feux. Et le pire, c'était que je grillais des feux, ou du moins j'ai cru griller des feux, avec des radars. Voilà, des radars feux. Donc ça se trouve, je sais pas encore, si ça se trouve j'ai plus 8 points sur mon permis. Bon, je vérifie à chaque fois, pour l'instant c'est bon. Et je voulais comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que je faisais ça? Pourquoi par exemple il m'arrivait de griller des feux? Parce que bah, je voyais que le feu passait au orange. Et comme je voulais pas m'arrêter, c'est tout con hein. Comme je voulais pas m'arrêter, bah hop, j'accélérais. Sauf qu'au moment, où vous arrivez devant le feu et que vous voyez que le feu il passe au rouge et que quand vous voulez vous arrêtez, vous pilez, donc vous arrivez en plein milieu de l'intersection, donc vous êtes obligé de continuer. Quand j'ai compris que c'est parce que je voulais tout le temps avoir ce comportement d'accélérer, de pas vouloir m'arrêter, je commençais à me dire, Déborah, donc je me disais, Déborah, le feu passe au orange, tu t'arrêtes. Tu cherches pas à comprendre, tu n'accélères pas et tout. Après, ça m'arrive des fois d'accélérer quand le feu passe au orange, parce que je me dis, ok, il vient tout juste de passer. Enfin, mais la majeure partie du temps, je me dis, orange, je m'arrête. Et en fait, c'est un comportement qu'on est censé avoir. Et donc ça, c'est déjà le problème des feux. Ensuite, les priorités, c'est être bien vigilant. En fait, il faut vraiment prendre son temps. Limite, quitte à faire de la conduite commentée, c'est très bien aussi, ça peut beaucoup vous aider. Moi, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, parce que maintenant, je suis déjà un peu plus à l'aise. Il m'arrive toujours des moments où je panique, mais ça va. Ensuite, après, par contre, il y a un truc, je ne comprends pas actuellement. Mais ça, après, vous savez, c'est de l'apprentissage, comme je vous disais. Jusqu'à présent, depuis que j'ai mon permis, je n'arrive plus à me stationner correctement. Je n'arrive plus à faire de créneaux. Les batailles, je les rate une fois sur deux. Il y a juste les épiques que je réussis. Mais sinon, le reste, je ne sais plus me stationner. Bah, après, la solution est simple, hein, vous savez, pour régler ça, c'est faire des entraînements. C'est partir dans un parking, s'entraîner à refaire et tout. Bien sûr, c'est parce qu'en fait, je fais mes stationnements sans repères. Et ça, bien sûr, en auto-école, on nous a toujours appris à le faire avec des repères. Mais comme j'ai oublié les repères, il faudrait que je re-regarde des vidéos pour voir comment le faire, etc. C'est des trucs que je vais faire.
Vous allez voir aussi, la conduite, c'est une grosse source d'énervement. Mais il faut apprendre à se maîtriser, en fait. Beaucoup de stress, beaucoup d'énervement. Vous allez vous rendre compte, en fait, au début, on s'en rend pas compte parce qu'on est content d'avoir le permis et tout. Mais il y a ce moment où on prend la confiance. Et au début, je pensais pas, hein. Mais c'est vrai, en réalité, il y a un moment, un petit moment où on prend la confiance, on se dit, ouais, je sais bien conduire. Et c'est au moment où on est moins vigilant qu'on fait des bêtises. On fait des trucs qu'on faisait pas avant parce qu'on se relâche et on se dit, bah, c'est bon, je sais conduire et tout. Sauf que non. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis rendu compte que la conduite, c'est pas un jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je prends ma voiture, que je sors, je suis en danger. Il faut que je, non seulement moi, je conduise bien, que je maîtrise un minimum, mais il faut aussi beaucoup anticiper le comportement des gens. C'est-à-dire qu'il faut être super vigilant. Ça peut être à ça, hein. Essayez d'éviter les choses qui peuvent vous déconcentrer durant la conduite. Ça paraît on va se dire, mais attends, tu dis ça alors que t'es en train de conduire et tu conduis et tu filmes et tu parles. La différence, c'est que je suis pas sur mon téléphone, en fait. Je suis pas en train de vous regarder tous les 3-4 matins. Je fais ma conduite toute seule. C'est vrai, je parle, mais voilà, je sais que je connais le chemin, en fait. Ça, c'est des choses dont je me risquerais pas vraiment si je connaissais pas le chemin. Donc je connais le chemin, donc je sais à peu près quelles sont les intersections. Voilà. Donc en fait, quand vous débutez la conduite, je vous conseillerais franchement de limiter les risques. Même la musique, je vous jure. En fait, ça vous met tellement de bonne humeur qu'après, vous ne faites plus attention. Donc la musique, tout ça, ce sont des pièges au début. La plus grande leçon, en fait, de la vidéo, c'est pas grave si vous n'avez pas une conduite parfaite dès le début. C'est pas grave si vous avez fait des petits excès. Le tout, c'est de toujours chercher à s'améliorer. Parce que c'est bête, en fait. Dites-vous que la première année, en fait, même quand on a son permis probatoire, mais surtout la première année, le problème, c'est que notre permis, certes, on l'a eu, mais il tient qu'à un fil. Et ça, je m'en suis rendu compte. Il tient qu'à un fil. Il suffit que vous grillez un feu, hop, moins 4 points. Déjà, vous saviez que si vous ne faisiez pas, enfin, laissez pas passer un piéton, c'était moins 4 points sur votre permis. Donc, rien que ça, déjà. Alors ça peut sauter tellement vite, un excès de vitesse de 2 points moins 2, vous voyez, vous perdez votre permis aussi, bête que ça. Alors oui, on va toujours trouver des solutions, essayer de... Il y a plein de techniques un peu pour essayer de contourner, encore faudrait être sûr qu'elle marche. C'est ça qu'en fait j'ai appris en un an de permis, c'est qu'on s'améliore. Je m'améliore en fait dans ma conduite, je conduis pas du tout comme le premier jour où j'ai pris cette voiture, et... C'est super de conduire, franchement, moi j'aime beaucoup conduire, j'aime passer les vitesses, tout ça, mais c'est pas sans conséquence. Et petit bonus, quand j'ai eu mon permis et je me suis tout de suite précipitée pour avoir la voiture, mais j'avais pas réalisé que la voiture, en fait, ça a un coût. Ça peut être con comme ça, mais moi je me disais un petit peu, limite, c'est j'achète la voiture et elle roule toute seule. Mais non, l'essence, ça devient un budget. Donc, il faut bien choisir votre voiture en conséquence, prendre une voiture qui ne consomme pas beaucoup, pas une voiture de luxe ou je sais pas quoi, parce qu'il y a des gens, en fait, qui veulent le faire, mais ils n'ont pas les moyens, en fait. Si tu n'as pas les moyens, déjà, si tu achètes une voiture de luxe, les entretiens, l'essence, tout ça, tu ne pourras pas assumer. Moi, honnêtement, même si quand j'ai fait mon carrefour, on m'a critiqué, on m'a dit, ouais, c'est un carrefour de... non, c'est la présentation de ma voiture. On m'a dit, ouais, c'est un carrefour. Je sais pas pourquoi je dis carrefour, mais on va dire carrefour. C'est un carrefour de pauvres. Bah, vous savez ce que j'ai à répondre à ça? Bah, c'est vrai, je suis pas riche. Je n'ai pas forcément les moyens de me payer une voiture extraordinaire. Et en fait, je vais pas juste le faire parce que les gens vont dire que. Parce que j'ai une chaîne YouTube et du coup, faut que je montre que. Je m'en fous. En fait, j'ai pris la voiture, la petite voiture C3, qui me convient parfaitement, que j'arrive à assumer. Donc le budget d'essence, il rentre dans mes revenus. Alors oui, déjà le revenu, l'essence, ça devient un budget. Vous savez aussi, pour rouler en toute sécurité, il faut une assurance. L'assurance pour les jeunes permis, ça coûte cher. Moi, pour vous dire, j'ai vraiment, vraiment cherché. J'ai trouvé une assurance à 72 euros.
C'est cher. Et le pire, c'est que c'est des arnaqueurs parce que c'est pas ce que j'avais demandé quand j'ai lu mon contrat. Donc ça aussi, c'est un truc. Lisez bien vos contrats parce que après, vous êtes engagé pour un an et vous pouvez pas du tout résilier avant. Rien que ça. Et donc voilà. Et aussi l'entretien. Alors oui, une voiture à entretenir, c'est super cher. Une vidange, on câble dans les 100 euros. Et il faut le faire presque, enfin ça dépend de la fréquence à laquelle vous roulez, mais peut-être 2-3 fois. Donc déjà ça. Après les réparations pour les pièces, les machins, ça va à 400, 800, 1000. Vous voyez, en fait, il faut être conscient. Donc moi, je ne vous conseille pas d'avoir une voiture si vous n'avez pas de source de revenus. Franchement, parce qu'après, vous n'allez pas pouvoir assumer. Après, je comprends. Et aussi. Vous savez, c'est ça. Après, c'est un pari aussi, la voiture. C'est un pari parce que la voiture, ça ouvre beaucoup d'opportunités. Si vous cherchez un travail, rien que le fait de dire, ok, vous avez votre permis, bah, vous savez, moi, quand j'ai passé des entretiens, bon, maintenant, je travaille plus dans des structures et tout, mais quand je passais mes entretiens, qu'ils voyaient que j'avais mon permis, ils se disaient, ah oui, la fille, elle a quand même 19 ans, elle a déjà son permis, elle a sa voiture. Vous savez, ça ouvre plus de portes. Les gens vont se dire, ok, c'est une battante, c'est quelqu'un qui en veut. C'est un pari, en fait. Moi, je sais que sans ma voiture, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais aujourd'hui. Mes prestations, mes déplacements, mes machins. Je sais que j'ai vraiment tout fait pour avoir mon permis et une voiture tôt parce que c'était de la galère. Je vis dans une ville où un peu de vieux en fait. Et il n'y a pas grand-chose. Donc si vous n'êtes pas véhiculé, c'est la galère. Les bus, on est mal desservis. Donc déjà ça. Ensuite, pour mon activité professionnelle, bah, j'en ai besoin. Pour aller en cours, enfin bref, c'est une amélioration. Mais j'avais déjà une source de revenus. Donc, quand vous vous lancez dans la voiture, il faut prendre tout ça en compte. C'est une grosse enveloppe. J'espère que mes petits conseils vous auront plu, que ça vous aura aidé, appris quelque chose. Et moi, peut-être que je referai une deuxième vidéo, ce que j'ai appris à mes 2 ans de permis. Peut-être pas, je sais pas. Peut-être que j'aurais pas évolué entre-temps. Enfin, voilà. Là, je suis trop contente parce que du coup. J'ai mes 8 points sur mon permis. Après toutes les galères que j'ai eues pour la conduite. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir un petit peu de bout de ce que j'ai vécu pour le permis, je vous mets la vidéo La conduite après l'auto-école. C'est vraiment compliqué, mais je suis contente. Honnêtement, au tout début, je pensais que j'allais perdre mon permis. Mais ça devient une fierté. Je suis contente de le garder. Je suis contente de m'améliorer. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!